Les granolas font chier avec leur macramé, leurs grands vêtements fleuris et leur air abruti. Et comme ils n'étaient pas assez nombreux ici-bas, font des enfants à qui ils donnent des noms de granolas. Pluie Gautier, soleil la flamme, arbre la forêt, humus Langevin. Ce sont des noms ridicules qui font chier. Pour faire contrepoids à ces noms granolas, moi si j'ai un enfant, je lui donnerai un nom méchant. Moi si j'ai un fils, je l'appellerai pas Fabrice ni Patrice, je vais le nommer Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Si les granolas peuvent donner aux leurs des noms de fleurs, et le vétérinaire donner aux siens des noms de chiens, si les communistes peuvent donner des noms comme un leur, moi qui suis élevé, si j'en ai, j'appellerai mon premier Hitler. C'est mon droit de parent, fuck you si vous êtes pas content. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Mon exemple ne manquera sûrement pas de faire boule de neige, si bien que dans quelques années, dans tous les collèges, quand le professeur va prendre les présences, ça ne sera pas rare qu'on entende Pinochet Robitaille, Staline Nguyen, Paul Pot Massicotte, Saddam Lapalme, Hitler Robert. Voyons. Hitler Robert. Voyons. Hitler Robert. Hitler Robert a foxé, il s'est encore défilé. Malgré toutes les remontrances, il multiplie les absences. Au lieu d'aller à l'école, comme les autres petits mongols, il joue aux jeux vidéo, il vole des revues porno. Il va fumer en cachette, mettre la marde des boîtes à lettres. Il dégonfle les tires de l'auto du directeur. Malgré tous les coups de strap, il ne change pas de cap. Il s'acharne dans sa dérape, impossible qu'on le réchappe. Il est nul, il est nul, il est nul. Ouais, ouais, Hitler Robert. Hitler Robert! Hitler Robert! Hitler Robert! Hitler Robert! Yeah!